Maintenant, j'ai dans la main un autre fossile. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques caractéristiques le concernant. Ce fossile appartient à une espèce de lézard qui a été découverte par des paléontologistes dans la formation Wuxia, dans la région de Guangling en Chine. Les recherches ont établi que cette espèce de lézard vivait il y a 210 millions d'années. Il y a plus de 200 millions d'années, cette espèce de lézard possédait déjà une physiologie interne et une architecture parfaite. Maintenant, examinons cet animal plus en détail. Comme nous pouvons le voir, le fossile est dans un état de conservation parfaite, jusque dans les moindres détails. La structure de sa tête, par exemple, ainsi que l'ossature harmonieuse de son cou reliant la tête au corps, et ainsi de nombreux détails que vous pouvez observer, jusqu'aux doigts et aux articulations qui les relient les uns aux autres et leur permettent de se déplacer, jusqu'à la perfection de sa queue. C'est un fossile d'une absolue clarté et perfection, dont les détails ont été jusqu'à ce jour préservés de façon exceptionnelle. Il semble dire à ceux qui croient aveuglément à la théorie de l'évolution, non, l'évolution n'a jamais eu lieu, et à aucun moment par le passé.